Bonsoir. Je crois qu'il est, temps de commencer. Bienvenue pour cet événement consacré à l'affaire Assange et on peut dire aussi l'affaire Wikileaks. Nous sommes réunis à l'occasion de la sortie du livre de Stefania Morizzi, la traduction française de son livre. Donc le livre vient de sortir aux éditions Agon. Le titre français, c'est l'affaire Wikileaks, médias indépendants, censure et crimes d'État. Et donc Stefania vient en France pour une série d'interventions. Donc elle commence par Paris, ensuite ce sera Toulouse, Montpellier et Marseille. Donc voilà, si vous avez des connaissances dans ces villes, prévenez-les. Je dois mentionner aussi que nous avons plusieurs partenaires pour cette soirée. Donc, outre les éditions Agon, Acrimed, Blast, les Amis du Monde Diplomatique, le Mouvement de la Paix, Anticor, les Mutins de Pangée et Le Vent se lève. Donc, merci à toutes ces organisations, tous ces médias d'avoir soutenu cet événement. Il est parti. Il est particulièrement important d'informer, de se mobiliser sur l'affaire Assange en ce moment, puisque vous le savez peut-être, dans moins d'un mois, il y aura des audiences à Londres les 20 et 21 février. La haute cour britannique se prononcera en fait sur la recevabilité de l'ultime appel de Julian Assange dans le système britannique pour empêcher son extradition vers les États-Unis. Donc si la haute cour britannique estime que cet appel est irrecevable du point de vue du droit, c'est son interprétation, eh bien, Julian Assange pourrait être extradé très rapidement. Stella Assange, sa femme, dit que ça pourrait se produire en 24-48 heures. Donc il y a vraiment une urgence à informer massivement sur cette persécution qui s'étale sur maintenant 14 années. Je dois également mentionner qu'à cette occasion, il y aura des rassemblements en France et de partout dans le monde. À Paris, ce sera Place de la République le 20 février à 18h. Il y aura des rassemblements pour l'instant à Bordeaux, Strasbourg, Metz et Ajaccio. À chaque fois à 18h, vous pouvez trouver les lieux sur Internet assez facilement. Et je mentionne également qu'il y a des projections débat du film Ithaca qui est consacré à l'affaire Assange. En ce moment à Paris, il y a l'espace Saint-Michel, mais il y a d'autres projections débat ici et là en France. La prochaine projection débat à l'espace Saint-Michel, ce sera le 30 janvier à 20h, et les intervenants seront Eva Joly, donc ancienne magistrate et eurodéputée, et Eric Halt d'Anticor, également magistrat qui est présent dans la salle. Je vous présente les intervenants. Nous commencerons par Denis Robert, le fondateur de Blast et le directeur de la publication, parce qu'il a un train à prendre, donc il prendra la parole en premier. Après, ce sera Anne-Cécile Robert, journaliste au Monde Diplomatique, puis Mathias Raymond, le co-animateur d'Acrimed, et puis enfin Stefania Morizzi, et avec comme interprète Laure Mistral, qui est la traductrice du livre. Et je signale que le livre a bénéficié de l'excellence de son travail. C'est rare de lire un livre aussi bien traduit. Voilà, je signale ceci. Voilà, donc je passe la parole à Denis. Vas-y. Non, ça marche là, oui? Oui, le micro fonctionne? Non. Bon. Je confirme, c'est un très bon livre, Stefania, puisque il est épais, mais je l'ai lu. Non, je disais, je confirme, c'est un très bon livre, Stefania. On l'a reçu ce matin à Blast et je l'ai lu ce week-end, pas entièrement parce que c'était un pavé, mais c'est quand même une somme. Et moi, je suis content que Stefania soit là parce que c'est une excellente journaliste qui, voilà, c'est un exemple pour nous, comme l'est Julian Assange, évidemment. C'est toujours compliqué de parler de Julian Assange parce que, il y a une grande lassitude, une fatigue de toujours répéter la même chose, de toujours être là. Donc c'est quand même formidable
que vous soyez si nombreux et qu'on reste solidaires pour parler de lui, quoi. Et alors moi, avant de venir, je me suis fait une petite feuille. J'ai coché en fait les 18 premiers mots qui me venaient à l'esprit pour parler de lui et de cette situation. Le premier mot, c'est colère. Le premier sentiment qui me vient quand je pense à Julian Assange et à cette situation, c'est la colère. C'est une grande colère, une rage depuis 15 ans, depuis son incarcération. Je suis à la fois en colère, évidemment, contre les politiques, et mais je suis aussi en colère contre les journalistes, contre les gens qui parlent très mal de lui, contre toutes les rumeurs et toutes les saloperies qui ont été dites. Et donc, le premier sentiment, c'est vraiment la colère. Le deuxième mot que j'ai écrit, c'est démuni. C'est-à-dire que, en tant que journaliste, ou en tant que citoyen, ou en tant que simplement homme, je me sens démuni parce que, après avoir fait tout ce qui a été fait, après avoir manifesté, après avoir écrit, après avoir participé à des débats, vu des films, on est démuni. On se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi ? Qu'est-ce qu'on... À part nous réunir, à part dire qu'on est là, mais voilà, le deuxième mot, c'est démuni. Après, le troisième mot que j'ai coché, c'est énergie. C'est-à-dire, où est-ce qu'on va chercher cette énergie pour y croire encore ? Et l'énergie, on va la chercher chez lui, quoi. C'est-à-dire que quand on le voit, même les images les plus récentes, où quand même il n'est pas en très bon état, on se dit le courage de cet homme doit nous donner à nous, on a une énergie à nous battre pour lui, quoi. Le quatrième mot, c'est courage, évidemment, parce que si un mot peut le qualifier, c'est celui-là, c'est-à-dire que cet homme est un exemple de courage et de force. Donc on doit être nous aussi courageux à ses côtés. Et évidemment, le mot qui vient après, c'est exemple. C'est un exemple pour tous les journalistes, c'est un exemple pour tous les résistants. Voilà, c'est un exemple pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai des petits coups de mou, etc. Et des fois, je pense à Cavana, qui était un exemple pour moi aussi, que j'ai accompagné un peu pendant toutes ces années, et donc Julian est un exemple. Le mot suivant, j'ai écrit « temps qui passe », c'est-à-dire que le temps passe, c'est-à-dire que pendant que nous on est là, pendant 15 ans, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des enfants, on s'est mariés, on a rencontré des gens, on a visité des pays, on a fondé des familles, on s'est engueulé, etc. Ben lui, pendant tout ce temps, il est resté enfermé entre les murs de l'ambassade d'Équateur, aujourd'hui dans sa prison anglaise. Donc le temps passe, et le temps, c'est devenu un ennemi, je pense, pour lui, quoi. Le mot d'après, c'est violence, c'est-à-dire que c'est d'une extrême violence. C'est pas une violence, il y a une violence physique, mais la violence est mentale, quoi. C'est le supplice de la goutte d'eau, c'est la puissance de ces États et la violence de ces hommes politiques, de la CIA, de tout ça. C'est extrêmement dur qu'un homme puisse subir dans son corps et dans son âme cette violence, quoi. Le mot suivant, c'est honneur, c'est-à-dire que il est quand même l'honneur de toute la profession de journaliste. C'est on ne peut qu'être admiratif, et donc il est l'honneur. Je sais que ça lui arrive par vague des fois ce qu'on dit de lui, mais il faut qu'il sache que c'est l'honneur, c'est notre honneur à nous que d'essayer de le défendre. Le mot suivant, c'est politique avec un S, c'est les hommes politiques, c'est-à-dire ma première détestation va vers eux. C'est évidemment aux États-Unis, mais en Italie. Enfin, rares sont les hommes politiques qui défendent Julian Assange, ou en tout cas qui mettent toute l'énergie qu'ils devraient mettre pour le défendre. Et nombreux sont les hommes politiques qui sont peureux, trouillards, paresseux, et à la solde des USA pour éteindre cette histoire, quoi. Donc il y a une sorte de comment dire, ouais, de dégoût à l'égard de ces politiques. Je ne trouve pas d'autres mots, donc j'ai pas construit un récit et tout ça. Mais voilà, le mot suivant, c'est USA. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui, à travers cette histoire, qu'on est sous la domination des USA et que ce pays, démocrate comme républicain d'ailleurs, impose leur ordre et sont les premiers responsables de ce qui arrive à Julian Assange, quoi. Le mot suivant, c'est solitude, c'est-à-dire la solitude de cet homme est quelque chose de profondément, qui moi me touche. C'est-à-dire que il est seul avec lui. Bon, il est entouré, il est marié, il a des enfants, etc. Mais il y a quand même cette solitude, et quand même quelque chose. Voilà, c'est un mot qui, je vais pas,
comment dire, je ne vais pas développer pendant des plombes chaque mot, mais voilà, c'est le mot qui m'est venu. Et immédiatement après USA, m'est venu le mot Grande-Bretagne, c'est-à-dire actuellement, il est en Grande-Bretagne. Et la question que je me pose concernant ce pays qui souvent est vanté pour la qualité de ses institutions, l'indépendance de sa justice, c'est est-ce qu'un tribunal britannique va être, comment dire, complice de cette ignominie, quoi. Va pouvoir, on est dans ce temps-là en ce moment avec la décision qui est attendue dans moins d'un mois, comme le disait Laurent. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur saloperie ou est-ce qu'il y aura un sursaut, quoi. Mais s'ils vont au bout de leur saloperie, c'est-à-dire s'ils jugent l'extradition, c'est une tâche indélébile dans ce que pourrait être la justice. Ça veut dire qu'il y a vraiment plus de justice en Grande-Bretagne, quoi. Cette histoire est emblématique de ce qui est devenu. C'est juste impossible de voir qu'un pays et une justice en Grande-Bretagne soient complices de cette violence politique. Le mot suivant, c'est innocent. C'est-à-dire que Julian Assange est parfaitement, complètement, entièrement innocent de tout ce dont on l'accuse, des histoires de viol comme des histoires de responsabilité qu'il pourrait avoir dans la mise en cause des publications des papiers de Wikileaks. Tout ça est très documenté par les livres, par les enquêtes, y compris de Stéphania. Donc il est parfaitement innocent, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Et je suis révolté quand j'entends des crétins comme les gens de Conspiracy Watch, où je parle d'eux parce que j'ai encore lu des propos à l'égard de Julien sur lui, où c'est vraiment dégueulasse de continuer à dire à produire des fake news sur Julian Assange, quoi. C'est une sorte de justification a posteriori de leurs errances, quoi. Je pense à eux, mais bon, c'est pas les pires, mais bon, voilà, quoi. Je vais encore me faire des amis, quoi. Le mot suivant, c'est journalisme, évidemment, mais c'est lié à tout ce que j'ai dit avant. Ensuite, c'est l'acharnement. Je pense qu'on n'a jamais vu un autant d'acharnement d'États et d'hommes, parce que ce n'est pas uniquement l'acharnement des États, c'est l'acharnement des fonctionnaires, des juges, des policiers sur un seul homme. C'est des militaires, effectivement. Et il y a une forme d'acharnement. Enfin, le mot est presque créé pour lui, quoi. S'il y a eu un acharnement contre un homme, c'est celui-là, quoi. Et ensuite, j'ai mis trois mots. J'ai mis démocratie, dictature et CIA, quoi. Et c'est l'idée qu'aujourd'hui, informer... D'ailleurs, en France, sur les services secrets, on l'a vu avec l'affaire Street Press. Enfin, je ne sais plus si c'était Street Press ou la journaliste qui a été... Oui, voilà. On l'a vu qu'en France aussi, avec Laure Lavrieux, ouais, c'était très compliqué de pouvoir informer. Elle a été placée en garde à vue, etc. Évidemment, ça n'a rien à voir avec Assange, mais quand même. Donc, informer sur la CIA aujourd'hui, c'est risquer sa vie et risquer la liberté. Donc, c'est la frontière entre une démocratie et une forme de dictature. Et je trouve que l'affaire Assange illustre assez bien ça. Le mot suivant, et donc l'avant-dernier, je ne vais pas être beaucoup plus long, c'est survivre. C'est-à-dire cette idée que... Alors je ne sais plus, c'est Ken Loach qui a écrit ça, je crois que dans la préface du livre, nous sommes en conflit avec le plus puissant empire qui ait jamais existé dans une situation... Non, c'est une phrase de Julian Assange que j'ai retrouvée dans la préface du livre de Stéphania, qui est une phrase c'est Ken Loach qui cite Julian, et Julian dit, nous sommes en conflit avec le plus puissant empire qui ait jamais existé dans une situation pareille, c'est juste remarquable de survivre. Donc il est dans cet état d'esprit-là, et j'ai trouvé que l'idée de survivre, ça lui correspondait assez bien. Et le dernier mot que j'ai trouvé, c'est solidarité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le sens de cette réunion, c'est le sens de notre présence ici, c'est la solidarité, c'est-à-dire on doit être forcément, nous tous, solidaires de ce qui lui arrive. Et j'ai l'espoir que je fonde, c'est que ça arrive, que même s'il est à des centaines de kilomètres de nous, même s'il est emprisonné entre ces quatre murs en Grande-Bretagne, qu'il sente que cette solidarité, cette chaleur humaine arrive jusqu'à lui, quoi. Et c'est ça la solidarité. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Merci beaucoup. Et désolé de devoir partir, mais comme j'habite pas Paris, et donc c'est vrai que j'ai un train. Merci Laurent. Je suis désolé de parler en premier, mais c'était compliqué pour moi, quoi. Voilà. Je cède la parole à... Merci Denis. Anne-Cécile. Bonsoir. Oui, on m'entend. Bonsoir. Donc nous n'avons aucun lien de parenté, Denis et moi, même si mon frère s'appelle Denis.
Mais voilà, il n'y a pas de collusion des Robert. En fait, si, on est en train de prendre le pouvoir. Mais... non, je suis vraiment très heureuse d'être à cette tribune et de voir qu'il y a autant de gens, toujours, après toutes ces années, pour soutenir Julian Assange, parce que c'est le but premier de cette soirée. Et j'ai reçu, comme Denis, le livre ce matin, et j'ai commencé à le parcourir. Et tu vas nous en parler, nous raconter. Et on a toutes les preuves, en fait, dans ce livre, déjà de l'ignominie qui est faite à Julian Assange, et aussi de la difficulté pour une journaliste d'en parler, le risque qu'elle a pris, les conséquences, le prix que Stéphania paye professionnellement, humainement, pour parler de Julian Assange. Parce qu'il y a effectivement, comme l'a dit Denis, des journaux complices, pusillanimes, qui ne disent rien. Et puis, il y a aussi des journalistes qui, s'ils veulent dire, eh bien, risquent leur carrière, sont menacés et perdent des choses. Et c'est assez effrayant de dire ça dans un continent, l'Europe, qui est supposée, qui se vante tous les jours d'être la terre de la liberté de la presse, de l'état de droit. Et on voit bien concrètement que quand il s'agit des puissants, comme les États-Unis, ben c'est, toutes ces belles paroles sur l'état de droit, sur la liberté, ben, s'évanouissent. Et c'est un peu là-dessus que je voulais insister. Moi, comme Denis, je travaille dans un journal qui est libre, qui peut dire ce qu'il veut. On n'est plus beaucoup hein, dans cette situation. Et on parle régulièrement de Julian Assange. Mais il est très frappant d'observer tous les jours, tout le temps, depuis 15 ans, le contraste entre l'énormité de ce qui se passe, l'énormité de ce qui arrive à Julian Assange, et la faiblesse des réactions, la lâcheté des politiques, la pusillanimité des journaux. Alors le pire, je crois, à la limite, vaudrait mieux qu'ils se taisent, c'est ceux qui, effectivement, font des articles sur Julian Assange pour dire qu'ils le soutiennent, tout en précisant que, quand même, il a une part d'ombre, qu'il n'est pas très clair. Le côté, l'attaque fourbe, tout de suite, immédiatement derrière le soutien. Et Serge Halimi, dans sa préface et dans l'article qu'il avait écrit, l'un des articles qu'il a écrit dans Le Monde diplomatique sur cette affaire, comparait, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu ou entendu Serge faire cette comparaison, le sort réservé à Julian Assange par les pouvoirs politique et les médias à celui réservé à un autre défenseur de la liberté qui est l'opposant Alexei Navalny. Et Serge Halimi prend tous les points de différence. À la fois, il y a les points communs qui sont qu'il s'oppose à un pouvoir puissant, Julian Assange et les États-Unis. Alexei Navalny, c'est le pouvoir russe de Vladimir Poutine. Mais dans un cas, Navalny est lavé de toute critique possible. Alors que, comme vous savez, il a lui aussi la fameuse part d'ombre, notamment des propos xénophobes, racistes, qui font qu'à une époque, si vous vous souvenez, Amnesty International lui avait retiré son soutien avant de lui donner. Mais lui, Navalny, quand il est portraituré dans la presse, eh bien, on oublie tout ça. On oublie toutes les critiques pour en faire un héros quasiment immaculé, parce qu'il se bat contre Vladimir Poutine, c'est effectivement très bien. Alors que Julian Assange, à chaque fois, on va chercher des trucs, et on a même fait pire, hein, vous vous souvenez, on a monté de toutes pièces contre lui une fausse affaire de viol pour le faire taire. Donc voilà, le deux poids, deux mesures dans toute sa splendeur, et vraiment la faillite politique de nos dirigeants, de nos institutions, elle est vertigineuse. J'entendais encore la présidente de la Commission européenne hier parler de la liberté, de l'état de droit. Alors, elle parlait de l'Ukraine, bon, certes. Mais quand il s'agit de Julian Assange, il n'y a plus personne. Il n'y a absolument plus personne. Et ça aussi, ça devrait... Parce que nous, on se bat, on est journalistes, on se bat pour Julian Assange, aussi parce qu'il est journaliste, mais en fait, c'est bien plus grave que ça. Tu as utilisé, Denis, le terme de démocratie, dictature, mais c'est effectivement notre démocratie, notre état de droit qui s'effondre. J'ai fait des études de droit, et là, en première année de droit, on vous explique qu'avec la démocratie, le droit est devenu
régie par des règles, que l'arbitraire c'est fini, que maintenant il y a la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Si vous ne l'avez pas relu récemment, relisez-la, vous verrez dans quel état on est. On ne respecte plus à peu près aucun article. Donc on nous apprend qu'on a tourné le dos à l'arbitraire des monarchies, que maintenant on est dans l'ère de la règle écrite, transparente, connue à l'avance, et que chacun a la liberté. Et en fait, d'accord, peut-être pour plein de gens, mais pas pour Julian Assange. Pour Julian Assange, c'est l'arbitraire, c'est la lettre de cachet. On en revient à la lettre de cachet que le roi faisait pour envoyer Voltaire en prison. C'est toi qui citais, Stéphania, là, le rapporteur de l'ONU pour les droits de l'homme, Nils Melzer, qui fait la liste de tous les exemples d'arbitraire qui sont infligés à Julian Assange, en comparant, c'est vrai que c'est terrible, avec le sort réservé par la justice et les institutions britanniques à Pinochet. Vous vous souvenez, il y a quelques années, Pinochet avait été aussi, lui, en Angleterre, menacé par une procédure pour les crimes qu'il avait commis dans la dictature. Et donc, Nils Melzer compare tout ce qu'on a accordé à Pinochet et qu'on refuse à Assange. Y compris, Pinochet avait des ennuis de santé, donc, tac, on l'a sorti de prison, on l'a mis en résidence surveillée, dans une villa où il recevait plein de gens. Alors, Assange, lui, il est au secret, les témoignages sont absolument effrayants. Je veux dire, je crois qu'on aurait traité mieux Hannibal Lecter. Hein, franchement, c'est invraisemblable. Le témoignage de Stella Assange qui circule en boucle est incroyable. Donc là, et on a un truc, c'est la haine d'État. Assange est victime de la haine d'État, de la vengeance d'un État. Ça rappelle la haine de Philippe le Bel contre les Templiers. Enfin, il y a des trucs complètement paroxystiques qui sont supposés avoir disparu. On appelle justice quelque chose qui relève de la vengeance. On confond tout. Et tout ça passe au milieu de grands discours sur la liberté. Et c'est pas 50 fois que je raconte ça, à chaque fois je m'énerve. Je commence toujours doucement, puis à chaque fois je m'énerve tellement c'est énorme et tellement ça devrait susciter des réactions gigantesques. Alors pour l'anecdote, il y a 2 ans, j'avais été invitée par l'école d'avocats de Poitiers à parler du secret. Je faisais une conférence sur le secret et j'avais à la tribune comme grand témoin François Hollande. François Hollande, comme ça. Et alors, avec la complicité d'un de mes confrères, qui est peut-être dans la salle, qui s'appelle Timothy de Roglaudre, question à François Hollande, pourquoi est-ce que vous n'avez pas accordé l'asile à Julian Assange? Alors là, il quitte son côté un peu comme ça, un peu sautillant, un peu sauteur, j'allais dire, parce que tout glisse sur François Hollande, hein, comme l'eau sur les plumes du canard. Mais là, je le sens se crisper. Il était juste à côté de moi, comme ça. Et il dit, mais moi, vous comprenez, j'étais président de la République. Julian Assange, il a dit, monsieur Assange, quand même, c'est un voleur. Il a volé des informations. C'est pas du journalisme, ça. Il a volé, en plus, il a volé des informations et en plus, il a mis en danger toutes les calomnies qu'on raconte sur Assange, des agents qui étaient sous couverture, etc. Donc, je ne pouvais pas, dit Hollande, lui accorder l'asile. Alors là, j'attrape le micro. Et évidemment, alors il y a une photo témoin que je pourrais vous montrer de ce moment où j'attrape le micro et je dis, mais... Monsieur le Président, toutes les organisations professionnelles de journalistes, je salue la Fédération internationale des journalistes et Dominique Pradalier qui sont là, demandent la libération de Julian Assange. Alors, c'est peut-être tous des voleurs. Et j'explique ce que... Vous imaginez ce que j'ai pu raconter, ce qu'avait fait Julian Assange, etc. Mais c'est incroyable, quoi, à une tribune comme ça. Donc, il n'était pas content, il est parti en bougonnant. Mais, et quelques temps après, bon, anecdote pour anecdote, j'étais un colloque, et à la fin, il y a une dame qui s'approche de moi, avec un petit accent américain,
qui me dit, je travaille à l'ambassade des États-Unis, je suis chargée de la presse, j'ai vu que vous étiez journaliste, c'est formidable. Yes, it's formidable. Nous, on est très intéressés, la liberté de la presse, très important pour nous, le président Biden. J'ai dit, ok. Ah ben, j'ai dit, c'est super. Ben, justement, j'ai un cas à vous soumettre, Julian Assange. Alors, elle me fait, qui? What? Who? J'ai dit, Julian Assange. Alors, je lui explique. Alors, elle faisait semblant de ne pas comprendre. Elle m'a carrément tourné les talons et elle est partie fâchée. Voilà, réflexe de... Bon, voilà, on est dans un truc complètement paroxystique, avec un système complètement fantomatique. Et c'est hyper rassurant de voir qu'on continue de se battre. Alors, j'ai pas grande confiance dans la haute cour de Londres. Il faut quand même se rappeler qu'elle avait validé à la grande époque de Tony Blair et George W. Bush en 2003 des preuves obtenues sous la torture, quand même, au nom de l'efficacité. Donc, j'ai pas une très grande confiance, mais on sait jamais. Un miracle est peut-être possible. On ne sait jamais. Le contexte politique est quand même un peu différent au Royaume-Uni de ce qu'il était en 2003. En tout cas, je pense que ce genre de rassemblement, ça fait son chemin, ça impressionne, ça circule. Et ça contribue déjà à rappeler qu'on brise le silence. Tu vas en parler, Stéphania, de cette malédiction du silence. Et que peut-être au bout d'un moment, tout ça va finir par faire pression. On est dans un contexte géopolitique très différent quand même du moment où l'affaire Assange a commencé, qui peut peut-être inciter les puissants, les États-Unis, à fléchir un peu, parce qu'ils ne sont plus non plus aussi... Enfin, ils sont toujours extrêmement puissants, mais ils sont quand même moins... ils sont un petit peu sur le déclin maintenant. Donc peut-être que le contexte peut jouer. Donc il ne faut surtout pas lâcher et continuer à se battre et soutenir le travail de Stéphania. Merci beaucoup. Merci Anne-Cécile. On libère Denis qui doit aller prendre son train. Je profite de l'occasion pour signaler qu'à la tribune sont représentés en fait la majorité des médias qui ont correctement informé sur l'affaire Assange. Alors il manque, il y en a quelques autres. Il y a l'Humanité qui a fait un suivi assez régulier et rigoureux. Là-bas, si j'y suis également. Au poste de David Dufresne, et puis on peut ajouter également Elucide, Les Crises, mais sorti de ces sept-là, Acrimed, Blast, Le Monde Diplomatique, c'est quand même très fragile. Alors il est question d'Assange parfois, mais il disparaît ensuite pendant plusieurs années, on ne sait plus où en est l'affaire, etc. Donc voilà, c'est un peu pour signaler les déficiences médiatiques. Et peut-être que Mathias va nous parler de cet aspect-là. Je te cède la parole, Mathias Raymond, donc, qui est co-animateur d'Acrimed, Association critique des médias. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et c'est vrai que nous, ce qui va nous intéresser à Acrimed, c'est le traitement médiatique de Julian Assange. Comment est-ce qu'on parle d'Assange dans les médias, ou comment on n'en parle pas? Comme vient de le signaler Laurent. Moi, j'ai envie de partir de quelques mensonges d'État qui ont été corrigés grâce au travail de journalistes, à commencer par un très récent. Donc le 7 octobre, le Hamas, avec d'autres fractions palestiniennes, ont massacré plus de 1200 personnes, dont près de 800 civils, au nombre desquels des personnes âgées, des familles, des femmes et des enfants. Le mardi 10 octobre, soit trois jours après, l'armée israélienne autorise les journalistes de la presse étrangère à pénétrer dans des kibboutz. Et dans l'un d'entre eux, Kfar Aza, qui est situé juste à côté de la bande de Gaza, une journaliste de I24 News déclare, je la cite, « L'un des commandants ici présents a déclaré qu'au moins 40 bébés avaient été tués », dit-elle, en ajoutant que certains d'entre eux ont eu la tête coupée. Et le commandant aurait dit qu'il n'avait jamais vu de tels actes de brutalité. L'information est reprise en boucle sur les réseaux sociaux, dans les médias, tous les médias français, occidentaux, mais aussi par les autorités israéliennes durant de longues semaines, également par les ministres
français, mais dans d'autres pays. On se souvient, par exemple, d'Aurore Berger sur CNews face à Sonia Mabrouk, qui relayait cette information et qui s'indignait de ceux qui pouvaient émettre des doutes sur la véracité de ces faits. On se rappelle aussi d'artistes comme Enrico Macias, hein, qui voulait dégommer la France insoumise, parce que aussi il y avait des critiques à l'égard de cette information. Et même Joe Biden, dont on a parlé, qui lui diffuse cette information lors d'une conférence de presse, affirmant même avoir vu ces images. Quelques heures plus tard, quand même, la Maison-Blanche dément les propos du président des États-Unis, expliquant qu'il n'a pas vu les images, mais qu'on les lui a rapportées. Deux mois plus tard, il s'avère que cette information et que cette affirmation est fausse. Elle est démentie par les faits. Au 5 décembre, selon les données de l'Institut national des assurances israéliens, on trouve un seul bébé parmi les civils tués le 7 octobre. Ça n'enlève en rien l'atrocité, évidemment, de tous les crimes qui ont eu lieu. Mais il y en aurait toutefois même un deuxième mort dans un incendie. Au-delà de ces deux cas, aucun autre bébé n'a été tué ce 7 octobre dans les kibbutz. Il n'y a eu aucun bébé décapité non plus, contrairement à ce qui a été beaucoup, beaucoup relayé. Interrogé par Libération à propos du nombre de 40 bébés tués, un porte-parole de l'armée israélienne fait cette réponse. Un soldat de l'armée israélienne a affirmé qu'il avait été témoin de cela, mais aucune source officielle de l'armée n'a fait de commentaire sur le sujet. En définitive, 35 mineurs ont été tués le 7 octobre, dont 7 enfants de moins de 10 ans. Libération, le journal Libération, a écrit, à l'aune de ces informations, plusieurs déclarations ayant suivi le massacre du 7 octobre, outre le mensonge des 40 bébés, apparaissent imprécises ou fausses. Certaines peuvent s'expliquer par le chaos qui a suivi le massacre, l'ampleur des destructions, les corps non identifiables, mais d'autres semblent être de pures inventions que rien ne rattache à des faits avérés. Ce travail d'enquête, parce que c'est un vrai travail d'enquête, révèle un mensonge, une fake news qui a contribué, premièrement, à ajouter de l'horreur au sordide déjà bien présent, mais qui, deuxièmement, a surtout permis de justifier le soutien à l'intervention militaire israélienne à Gaza. Ce travail, donc, ce très bon travail, est un produit de journalistes, a été fait par des journalistes, en l'occurrence, en France, par Libération. Un mois plus tôt, ailleurs dans le monde, le 6 septembre, un missile est tombé en plein cœur d'une ville à l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, sur la place du marché, faisant 17 morts et plus de 30 blessés. Le 6 septembre, l'AFP cite Volodymyr Zelensky. L'artillerie des terroristes russes a tué 16 personnes dans la ville de Kostiantynivka, excusez-moi, dans la région de Donetsk. Aussitôt, les médias reprennent à leur compte et avalisent l'information. Le Figaro, guerre en Ukraine, au moins 17 morts dans une frappe russe sur un marché dans l'Est. France Info également, une frappe russe sur un marché dans l'Est du pays fait 17 morts. Ouest France, Midi Libre, RTL, tout le monde reprend cette information. Sur France Culture, dans le journal de 18h, le même jour, on relaie les faits ainsi. Dans l'Est de l'Ukraine, une attaque russe dans la ville de Kostiantynivka a fait au moins 16 morts et 30 blessés. C'est un marché qui a été touché, ainsi que plusieurs autres commerces et une pharmacie. Le 6 septembre, toujours, chez Quotidien sur TMC, je cite, « Cet après-midi, l'armée russe a commis un nouveau crime de guerre. Et si la plupart des journaux télévisés, des radios reprennent cette information, LCI, qui est en boucle 24 heures sur 24 sur ce qui se passe dans l'est de l'Ukraine, consacre son émission entière du soir, 24 heures Pujadas, à cette explosion qui a eu lieu dans l'est de l'Ukraine. Que s'est-il passé ? S'interroge Pujadas. On décrypte les images. Il y a des analyses militaires qui se succèdent à des indignations sur le plateau. Et à la fin de l'émission, Pujadas conclut, un missile imprécis et peut-être la volonté de terroriser. Problème. L'évidence de l'attaque russe est remise en doute 12 jours plus tard par le New York Times, après une longue enquête menée par 5 journalistes. Extrait de la conclusion de cette enquête, les preuves recueillies et analysées par le New York Times, notamment les fragments de missiles, les images satellites, les témoignages, les publications sur les réseaux sociaux, etc., suggèrent fortement que la frappe catastrophique était le résultat d'un missile de défense aérienne ukrainien errant tiré par un système de lancement Buk. On a ici la différence entre un journalisme qui réagit à chaud,
de commentaires essentiellement, comme après l'attaque du 7 octobre en Israël, faisant aveuglément confiance aux déclarations officielles ukrainiennes, françaises, américaines, occidentales. Et de l'autre côté, avec Libération d'abord, dans mon exemple, avec le New York Times, un journalisme d'enquête qui prend le temps d'enquêter. Hélas, c'est souvent le premier qui l'emporte sur le second. Ces deux exemples récents sont exemplaires. Ils rappellent qu'en temps de guerre, les belligérants, de deux côtés et à leur manière, usent et abusent de leur pouvoir d'information et de propagande. Libération et le New York Times, en l'occurrence, comme Julian Assange et Wikileaks, ont révélé des faits vrais, des faits gênants sur les dirigeants occidentaux et leurs alliés. Et ces journalistes, parfois aidés par des lanceurs d'alerte, par des sources anonymes, ont bien fait leur travail. Et doivent-ils être inquiétés pour cela ? Non. Non, ni ici, ni ailleurs. Accusé d'espionnage par le Kremlin, le correspondant du Wall Street Journal en Russie, Evan Gershkovitch, a été arrêté le 30 mars 2023 par les services de sécurité russes. Le Monde ne tarit pas d'éloges sur le nouveau prisonnier de Vladimir Poutine, qui est à l'époque méconnu du grand public. Je cite, Evan Gershkovitch est un professionnel reconnu. On apprend qu'il avait publié des enquêtes d'une grande qualité durant la pandémie de Covid-19. Bernard-Henri Lévy, en grande forme malgré le flop retentissant de son nouveau film sur l'Ukraine, tweet frénétiquement. Gershkovitch est un otage. Cette sorte de diplomatie nous ramène à des temps très sombres. Une autre étape dans l'escalade de Poutine. Un autre degré sur l'échelle de l'enfer vers lequel il dirige le monde. L'indignation est générale. Il y a même une pétition qui est signée dans le monde par tous les directeurs de journaux français. Même la directrice de France Télévisions, Delphine Ernot, la signe, cette pétition. Cette pétition dit en substance laissez parler les journalistes. Laissez parler les journalistes. Et elle s'adresse, cette pétition, à l'ambassadeur de Russie en France. Je cite. Nous demandons à travers vous la libération sans condition ni délai d'Evan Gershkovitch. Cet engouement pour la liberté de la presse est formidable. Pourtant, il détonne avec la frilosité du soutien dont jouit depuis des années le journaliste Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks n'a jamais eu droit à un tel engouement journalistique, spontané, unanime de la part des médias français. Et parmi les pétitionnaires scandalisés, à juste titre, par cette arrestation, nombreux sont restés silencieux pour soutenir Assange dans le passé. Et ceux qui l'ont fait sont arrivés souvent dans la bataille, parfois tardivement, en y joignant toujours, comme le disait Anne-Cécile, une touche de réprobation morale à l'égard des méthodes employées par le fondateur de Wikileaks. Participant au concert des défenseurs de la liberté de la presse, le groupe TF1 a aussi adressé à l'ambassade de Russie en France un courrier réclamant la libération du journaliste du Wall Street Journal. TF1 demande la libération et appelle les représentants de la Fédération de Russie, comme toutes les parties prenantes dans ce conflit, à assurer l'intégrité physique et morale des reporters qui exercent leur périlleuse mission d'information. Sans surprise, aucune lettre de cette teneur n'a été adressée à l'ambassade des États-Unis ou de la Grande-Bretagne pour demander la libération de Julian Assange, alors que cela fait bientôt 5 ans qu'il est enfermé dans la prison de Belmarsh en Grande-Bretagne. Un traitement médiatique révélateur, encore une fois, du deux poids, deux mesures, comme on l'a dit déjà, qui conditionne les médias français et occidentaux dès lors que les États-Unis ou leurs alliés sont impliqués dans un conflit. Merci. Merci Mathias. Je mentionne qu'il y a plusieurs stands que vous avez dû croiser, des partenaires, dont le stand d'Acrimed. Donc si vous voulez prendre de la documentation et des livres qui ont été écrits par Acrimed, c'est à la sortie tout à l'heure. Et je cède la parole à Stéphania, qui sera donc traduite par Laure Mistral. Bonsoir. I'm sorry, my French is so poor that I cannot speak in French, unfortunately. So I will speak in English and my translator will translate.
So first of all, I would like to thank you for being here, because this is a very, very important case. It is what Ken Loach, the legendary filmmaker, called a monstrous injustice. Donc, Stéphania s'excuse de ne pas parler français. Et, ah, pardon. Donc, Stéphania s'excuse de ne pas parler français. Elle vous remercie d'être là ce soir pour parler de ce cas d'injustice monstrueux, comme le dit Ken Loach dans l'avant-propos. It is an injustice that everyone can understand. When I'm told, oh, this is a complex case, it is not. This is a case that everyone can understand. C'est pas un cas compliqué, c'est un cas que n'importe qui peut comprendre. This is a case where a journalist who revealed atrocities, war crimes, torture, has never again known freedom. He has never walked in the street as a free man in the last 14 years, whereas the war criminals, the torturers, who did these horrific things are free as the air. They enjoy their families. They enjoy their children. C'est une terrible injustice dans le sens que un journaliste qui a dénoncé des tortures, des crimes de guerre, des atrocités, se retrouve en prison alors que les gens qui les ont commises continuent leur vie comme si de rien n'était. I was there from the very beginning. I have dedicated 15 years of my professional life to this case. Of course, I haven't worked just on this case. I work on many things, but I have worked very intensely on this case. Donc, Stéphania a consacré 15 ans à ce cas. Alors, pas tout à fait 15 ans, puisqu'elle a travaillé aussi sur d'autres sujets, mais elle a quand même commencé à s'y intéresser 15 ans auparavant. And you may ask me, why a journalist work 15 years on a case? Et on peut se demander pourquoi se pencher pendant 15 ans sur un cas pareil et sur un cas et de manière aussi intense. What I have seen in this case is something I would have never believed if I haven't experienced it, I haven't witnessed it from the very beginning for over a decade. Et donc, Stéphania a assisté à tout un développement depuis le tout début de ce cas. Et elle n'aurait jamais cru avoir affaire à une injustice pareille. I remember when we revealed these documents about the war in Afghanistan. For the first time, we could access secret documents on a war as the war was ongoing. We could discover the lies by our government, and we could compare what the propaganda was telling us and what really happened on the war theater in Afghanistan. Donc elle se rappelle avoir eu accès à des documents sur une guerre en cours, la guerre en Afghanistan, et pouvoir comparer ce que disaient ces renseignements avec la propagande officielle du gouvernement et suivie par les journalistes du monde entier. And we could discover what was really happening, not 50 years, 60 years after the war, where no one cared, but as things happened, when they were relevant for the public opinion, because we, the public opinion, we pay taxes. We have the right to know what our government is doing with our money and in our name. Et donc cette possibilité extraordinaire qui est de pouvoir suivre découvrir la réalité sur les événements, non pas 40 ou 50 ans plus tard, mais là tout de suite, est une chance extraordinaire. Et
pour réaliser aussi, on a le droit, on paye des impôts, on a voté pour un gouvernement, et on a le droit d'être au courant de ce qu'il fait. So for the first time, we could realize, we could have evidence of the lies of our government, or these atrocities from Afghanistan to Iraq to Guantanamo, and we had evidence. It was not rumors. It was not guesses. It was evidence. Et il ne s'agissait pas de rumeurs. Il y avait vraiment des preuves sur ce qui a été commis. And I remember how exciting it was, how we could compare what the government was telling us and what was really happening there, and to have this evidence for the first time. We journalists, we don't have evidence. We maybe have little tiny bit of information, but it's really hard to get evidence because these informations are secrets. And these secrets are not used to protect citizens. These secrets are used to protect state criminals, to protect state criminality, so that these people are untouchable. They never pay for their crimes. Oui, et donc Stéphane se rappelle l'excitation qu'il a prise en se retrouvant devant ces documents qui prouvaient ce que faisaient des gouvernements, les gouvernements au même moment. Et pour chez les journalistes, c'est très très difficile de trouver enfin ces preuves qui montrent que utilisées par non pas pour protéger des citoyens, mais protéger des criminels d'État qui mettent en danger leur population. So even if the government was telling us that these are secrets, so you put people in danger, you are reckless because you put people in danger. Okay, can you hear me better now? Thank you. So one of the arguments used against these documents and against the WikiLeaks revelations, against Julian Assange and WikiLeaks, who published these documents, and we journalists who published these documents. I'm the only one who has published all these documents together with other colleagues, but I have published all of them. And we were accused of putting people in danger when in fact no one died, no one was put in danger. We work very seriously on these documents. And to these days, the United States hasn't been able to provide a single name of a person who was killed, who was put in prison as a result of this publication. Donc, l'accusation qui a été portée notamment contre WikiLeaks et Julian Assange, c'était qu'ils avaient mis les gens en danger en publiant Donc l'accusation qui a été portée contre WikiLeaks et Julian Assange était le fait qu'ils avaient mis des gens en danger en publiant des événements auxquels ils avaient participé. Bon. Et en fait, il n'y a jamais eu... Personne ne s'est retrouvé en danger. Les journalistes qui ont travaillé sur les documents que publiait WikiLeaks étaient en veillé à ce que tout le monde soit... se retrouvent, les noms des gens en danger soient éliminés. Et en fait, les États-Unis n'ont jamais pu prouver qu'ils avaient qu'une seule personne était morte, voire en danger des suites des révélations de WikiLeaks. So this campaign, even if there was no death, even if no one was injured, since 2010. The United States authorities have run a campaign against Julian Assange, WikiLeaks, and we journalists who published these documents, saying that we were reckless, we put people in danger. As a matter of fact, it was just defamation. It was not true. Not a single death has ever surfaced.
Malgré ça, le gouvernement américain a continué à accuser WikiLeaks d'avoir du sang sur les mains, d'être la cause de alors qu'il n'avait pas, personne n'avait été blessé. Et à force d'être répété, cette phrase est devenue comme un fait, comme une, pour beaucoup de gens, est devenue comme une preuve, alors qu'elle n'a aucun fondement. You have to realize that since publishing these documents in 2010, Julian has never again known freedom, and he still has to regain freedom. He was put initially under house arrest, then he was arbitrarily detained in the embassy. Now he's in prison, and toughest prison in Britain, Belmarsh, with very dangerous people. He has never committed violence. He has never done anything wrong. And he has been there for almost 5 years. Alors que Julian Assange n'a rien commis de répréhensible, il a dû rester sous surveillance électronique pendant un certain temps. Il a dû rester 7 ans dans l'ambassade d'Équateur pour éviter d'être extradé aux États-Unis. Et là, il est presque depuis presque cinq ans dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, qui est généralement réservée aux gens très dangereux. Et alors que toutes les chefs d'accusation, il a terminé, c'est ce pourquoi il avait été mis en prison au départ. I have seen how they have destroyed his health. They have destroyed his health. I could see his suffering. Whenever I was visiting him during the house arrest in the embassy, he was suffering. And I was wondering, how can he resist inside this embassy for 7 years without any chance to have sunlight, to have fresh air? I have seen him suffering. And we were reporting on the case, and nothing was happening. Nothing was happening. And this campaign against Julian Assange had deprived him of any empathy by the public opinion. It was a defamation campaign for over 10 years so that people didn't stand in solidarity with him. Donc, Stéphania a pu rendre visite à Julian Assange quand il était dans l'ambassade d'Équateur. Elle a vu comment il souffrait sans liberté, sans pouvoir sortir au risque d'être mis en prison, sans pouvoir même se faire soigner, sans jour. Excusez-moi. So now, if the United States can extradite him, he will lose his freedom forever. He will be put in a maximum security prison, and he will die in prison just for revealing war crimes, just for revealing torture, while the war criminals and the torturers are free. They have never had any problem. Donc si les États-Unis réussissent à l'extrader, Il va finir sa vie dans une prison de haute sécurité. Normalement, il encourt 175 ans de prison comme un criminel, alors que c'est lui qui a révélé des crimes et des tortures. So you have to realize that he has no chance unless people mobilize, unless people wake up and do something and protest and mobilize and try to make the argument that he cannot be put in prison for life for revealing war crimes. Donc, il ne peut retrouver la liberté, il ne peut surtout éviter la prison à vie que s'il y a une très forte mobilisation pour empêcher un innocent de se retrouver puni pour avoir dénoncé des crimes. This is why I wrote this book, which is based on 15 years of my investigative work, to put together the facts so that people cannot say it is not true.
Here, I put all my entire investigative work on the case. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui rassemble 15 ans de recherche intense et qui s'appuie sur des preuves. Comme ça, si jamais quelqu'un m'aborde en me disant ce que vous dites n'est pas vrai, j'ai toutes les preuves dans ce livre. So that's why no one dare to file a libel case because here you have evidence, you have documentation. No one file a libel case. No one say this is not true. This is not. It didn't happen because here I put the all evidence I was able to collect thanks to my investigative work, fighting to get the documentation from the US authorities, the British authorities, the Australian authorities, the Swedish authorities, because without documents, you just have opinion. So here I put all this documentation, all these discoveries together to make people realize how brutal his treatment. Donc ici, personne ne pourra, après avoir lu ce livre, personne ne pourra dire c'est pas vrai, ça n'existe pas, parce que tout est vérifié, contrôlé, écrit, prouvé. Et Stéphania s'est battue bec et ongle pour obtenir des documents ou des traces de documents. Elle s'est attaquée aux appareils de justice américains, britanniques, suédois, pour obtenir des pièces auxquelles personne n'avait accès. And you will be shocked to realize that, for example, the CIA planned to kill him. They actually planned to kill him, to kidnap him, just for revealing the truth. This is not what you expect in a democracy. In a democracy, you have to be able to reveal this kind of information. This is the difference between democracy and dictatorship. In a dictatorship, they kill you. In a democracy, it must be possible to do aggressive journalism, exposing state criminality. Donc, à titre d'exemple, elle a raconté comment la CIA avait prévu de le kidnapper ou de le tuer alors qu'il était dans l'ambassade d'Équateur. La CIA avait payé la société de sous-traitance de sécurité qui s'occupait de l'Équateur. Et c'est bien la différence entre une démocratie et une dictature. Dans une dictature, vous ne faites pas ce qui plaît au gouvernement. On vous tue directement. Là, c'est vraiment des pratiques qui relèveraient de la dictature. Or, Julian Assange ne fait jamais qu'un journalisme énergique, pugnace, et comme il devrait être fait partout. So this is why I have dedicated so many years, 15 years, on this case, because I want to be able to expose this state criminality and to create a society in which you can reveal war crimes and be free and you can be safe, because this is what democracy is. In a dictatorship, you cannot do it. In a democracy, it must be possible. Donc, c'est pour ça que j'écris ce livre, pour montrer les crimes d'État et la nécessité d'un journalisme où on peut dénoncer ce qui se passe sans être pénalisé pour cela. And I want to close with an appeal. This appeal was made by the Peace Nobel Prize, the Argentinian Peace Nobel Prize, Adolfo Pérez Esquivel. He was living under the Argentinian dictatorship, and the regime wanted to kill him. They wanted to board it in on a plane and kill him during the dictatorship. And he thought, well,
The regime was ready to kill me, but they didn't do it. Why? Because at the end of the day, people mobilize. So even a regime cannot ignore what the population wants. And they stop his execution. So he said, this is why I mobilized for Julian Assange. Because if it worked for me under the Argentinian regime, it can work for him. So he made this appeal for people like you, like me, like them, to mobilize. Because the only hope Julian Assange has is for the people understanding this monstrous injustice and react and mobilize so that they stop his extradition to the United States. Je traduis ou tout le monde a compris? Oui, pardon. Oui, donc le prix Nobel de la paix argentin. Adolfo Pérez Esquivel. Adolfo Pérez Esquivel. Pardon. Oui, donc a eu la vie sauve grâce à la démobilisation qui a empêché de la population, qui a empêché le gouvernement de l'assassiner. Et donc c'est celui et lui-même se mobilise pour Julian Assange. Pour qu'il puisse continuer ce qu'il a à faire et ne se retrouve pas extradé aux États-Unis. Merci beaucoup Stéphania, merci Laure pour l'interprétariat. Alors, on s'excuse pour le son assez désagréable là, mais apparemment, ce n'est pas possible de couper la climatisation. C'est ce qu'ont dit les régisseurs de la. C'est automatique. Donc, si c'est vraiment trop désagréable sur la mezzanine, vous pouvez. Il y a encore pas mal de place en bas, donc n'hésitez pas à descendre. Avant de céder la parole à la salle, moi j'aimerais faire réagir les intervenants à un aspect qui me semble central dans l'affaire Assange, c'est la question médiatique, puisqu'il y a une, ça a été dit, il y a une défaillance énorme de la part des médias dominants et parfois pas seulement des médias dominants. Sur le suivi de l'affaire, mais les médias dominants ont également relayé des éléments de la campagne de dénigrement, les ont amplifiés, les calomnies, les fausses informations. Et j'aimerais savoir pourquoi, en fait. Pourquoi cette attitude médiatique? Quels sont les facteurs à l'œuvre pour produire cet état de fait? Moi, j'ai quelques idées, mais pourquoi la campagne de dénigrement a été accueillie de façon aussi généreuse par les médias dominants et avec des traces encore maintenant? Par exemple, la fausse information selon laquelle Wikileaks aurait mis en danger des personnes par ses révélations, vous pouvez encore le trouver très régulièrement. La prétendue proximité avec la Russie, avec Trump, tout ça circule encore maintenant. Donc pour l'affaire suédoise, ça fait 14 ans. Trump et la Russie, ça fait 7 ans. Voilà, donc c'est des fausses informations, de calomnies qui ont la vie dure. Je ne sais pas qui veut réagir sur cet aspect. Anne-Cécile, okay. Mathias. Merci. Ouais. Oui, c'est vrai que là-dessus, c'est un point qui concerne aussi beaucoup la question de la critique des médias et qu'on retrouve dans d'autres circonstances que dans celle de Julian Assange ou de Wikileaks typiquement. C'est-à-dire que dès lors qu'on veut émettre une critique à l'égard du pouvoir en place, que ce soit le pouvoir économique, que ce soit le pouvoir politique en place, c'est plus compliqué que lorsque l'on veut critiquer le pouvoir politique qui est ailleurs. Donc c'est très facile aujourd'hui d'être Bernard-Henri Lévy et de critiquer des pouvoirs politiques étrangers à la France, donc par exemple la Russie, etc. Mais dès lors que l'on veut émettre une critique à l'égard d'actes, de crimes de guerre, pardon, commis par les États-Unis ou par des alliés de la France, alors il y a toujours un branle-bas de combat qui est mis en œuvre
par les médias, notamment par les politiques, en l'occurrence. Et dans les exemples que j'ai donnés, c'est des exemples très récents, mais ces exemples de fausses informations produites par les États qui sont en guerre sont légion. Il y a un petit livre chez Agon qui doit être en vente ici, qui s'appelle « L'opinion, ça se travaille », dans lequel Serge Halimi, puis Dominique Vidal, Henri Mahler et puis moi-même plus tard, on est revenu sur différentes périodes de conflits militaires, donc le Kosovo, l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, et comment à chaque fois des fake news, des fausses nouvelles étaient relayées dans les médias, propagées par les États, et très souvent, des mois, voire des années plus tard, on découvre que ces informations étaient fausses. Mais entre-temps, le mal a été fait, on a justifié comme ça des interventions militaires. Bon, l'exemple le plus connu, récent du moins, c'est les armes de destruction massive en Irak, hein, qui n'ont jamais existé, mais qui ont justifié cette intervention militaire des États-Unis en Irak. Donc on a ici une volonté de la part de nombreux journalistes, pas tous les journalistes, heureusement, mais de la part des journalistes, de croire systématiquement les informations gouvernementales. Parce qu'on est en démocratie et que donc, comme ce sont des informations qui proviennent d'élus, de démocratie, alors elles sont forcément vraies, ce qui est évidemment contestable. J'ajouterais, parce que ce que vient de dire Mathias est très complet, qu'en fait, ça révèle aussi ce que tu viens très bien de décrire, que les journalistes n'ont pas le réflexe de base du journaliste, qui est de ne pas croire déjà ce qui arrive, et surtout pas croire les pouvoirs. C'est-à-dire qu'il y a un renversement total de perspective dans une grande partie de la profession qui fait qu'au lieu de se méfier, elle fait confiance. Et en fait, on en arrive à cette situation où les journalistes aiment bien se présenter comme le quatrième pouvoir. En fait, ils font partie du pouvoir. Ils font partie du pouvoir et donc ils ont des réflexes de caste. Quand le pouvoir est en danger, ils vont le protéger. Et là, il n'y a plus de réflexe professionnel qui vaille. Yes. Let's try. Yes. This is precisely why I was so interested in WikiLeaks at the very beginning. Because after the 9/11, the press was so timid. Most of the journalists were reporting whatever the CIA, the intelligence services, the Pentagon was telling us. Let's not forget that for 13 years, the New York Times, the most powerful newspaper in the world, refused to call torture, torture. They were calling those practices, horrific things, enhanced interrogations, which is something you cannot understand, of course. Oui, après le 11 septembre, les médias étaient particulièrement timides, s'attaquaient surtout pas aux États. Et Stéphania se rappelle que le New York Times n'utilisait jamais le mot de torture pour qualifier ce que faisait l'armée américaine en Afghanistan et en Irak, mais parlait de technique renforcée. Question renforcée. Oui, c'est tellement absurde que j'arrive pas à me rappeler. So one of the things that made me so interested in WikiLeaks was the fact that they were willing to be aggressive, to expose these crimes, to publish. Even if the Pentagon had asked them to remove the documents because they were not authorized, they didn't say, yes, we'll do it. They said, no, we won't remove it. And they keep it.
contrairement à ces médias timides, Wikileaks, au contraire, se dit ben, oui, on va ce document-là, on va le trouver. Et puis, on nous menace, on nous demande de le retirer, dit, ben, on va continuer à le mettre. On nous ferme, notre site, ben, on va faire des sites miroirs. And this is why they want to kill him. And they are killing him softly, slowly. Because he didn't, I mean, he was not willing to compromise. He was willing to go ahead and publish. That's why they want him dead. And they are killing very slowly. You know, in a dictatorship, they would have sent a killer to kill him. Whereas they are using the legal process. Oh, there will be an appeal, and then there will be another appeal. Let's see what happened the next appeal. But at the end of the day, he has spent 14 years detained. He has never known freedom again. Et donc, c'est pour ça que les États ont voulu la peau d'Assange. C'est parce qu'ils savaient qu'il allait pas se laisser circonvenir. Et d'appel en appel, ça fait 15 ans, ça fait plusieurs années qu'il n'arrive plus à être libre. Bien, si des personnes souhaitent réagir dans la salle, nous allons passer le micro. Dominique Pradalier, présidente de la Fédération internationale des journalistes. Bonsoir. J'essaye de répondre à la question pourquoi on s'acharne sur Julian Assange. Eh bien, ce type qui est complètement génial, il a inventé Wikileaks, qui permet à tous les lanceurs d'alerte et à tous les journalistes de communiquer entre eux en total cryptage, c'est-à-dire échapper à tous les espionnages et mettre au service de tous les citoyennes et citoyens les informations que veulent gâcher les puissants. Et pourquoi les États-Unis d'Amérique, avec la passivité bienveillante des autres gouvernements, ne font rien pour terminer cette histoire? C'est parce que justement c'est un danger pour les démocrates que nous sommes. Vous pensez bien des sales petits secrets qui pourraient sortir au jour ici, en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, ailleurs, c'est pas supportable. Il faut tuer ce gars, il faut l'empêcher d'agir. Et je dirais juste une petite phrase qui doit faire réfléchir le monde entier, qui nous fait réfléchir à la Fédération internationale ainsi que les autres continents. Si un journaliste australien, c'est son cas, qui a publié en Europe, c'est Wikileaks, devait être traîné devant une cour interne américaine, suivant une loi interne américaine, qui au monde oserait l'ouvrir après ça? Lanceur d'alerte, journaliste, historien, n'importe qui au monde oserait le faire? Et c'est le dossier Assange, c'est ça Julian Assange. Tout le reste c'est de la sauce, bonne ou mauvaise. Mais c'est pour ça que depuis 14 ans, il est traîné. Une réaction. Ok. Donc ma question est toujours la même. Je sais qu'aucun de vous n'est un avocat, mais que vous êtes plus proche de la situation que moi. Alors que ce soit après que le tribunal à Londres décide ou après qu'il ait été extradé aux États-Unis, quel est le statut légal d'un appel à la Cour européenne? Et malgré le fait qu'on sait que les Américains n'en ont que faire de la loi, est-ce que cet appel sera fait même s'il est extradé? Merci. Je vais peut-être répondre. Donc, il y a en effet un recours possible auprès de la Cour européenne des droits de l'homme si tous les appels au Royaume-Uni échouent. Mais l'inconnu, c'est est-ce que le Royaume-Uni respectera ce recours? Est-ce qu'il suspendra l'extradition le temps que ce recours soit examiné?
Donc c'est de l'inconnu. Évidemment, les avocats d'Assange comptent faire appel à la Cour européenne des droits de l'homme. Ce n'est pas possible formellement de le faire tant que tous les recours ne sont pas épuisés au Royaume-Uni. Donc si c'est le cas, ils le feront. Mais voilà, on ne sait pas quelle sera l'attitude britannique à l'égard de ce recours. Est-ce qu'il évidemment, il y aurait un poids symbolique, diplomatique, à s'asseoir sur un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, mais peut-être seront-ils disposés à payer ce coût et extrader Assange alors que le recours ne sera pas encore examiné. Donc ça, c'est les mois à venir qui nous le révéleront. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais vous poser trois petites questions. L'une, par rapport à ce qui était potentiellement faisable à une certaine époque, où des gens ici demandaient est-ce que la France, par exemple, lui accorde le droit d'asile. Est-ce que cela est possible dans ces conditions-là et ou peut-être avant qu'il ne soit extrait de l'ambassade de l'Équateur, premièrement. Deuxièmement, je sais qu'au même moment, il y avait un autre journaliste qui s'appelle Sweden, il me semble, qui était réfugié en Russie. Est-ce qu'il est toujours? Et qu'est-ce qu'il est devenu? Et comment on peut mettre l'histoire en parallèle entre les deux? Voilà. Oui, vous avez raison. Il est toujours possible aujourd'hui d'accorder l'asile. La France pourrait proposer l'asile. Oui, elle demande si monsieur demande si c'est possible. C'est possible. Après, il n'y a aucune volonté politique de le faire. C'est ça le problème, c'est l'absence de volonté politique. Mais il n'y a pas d'obstacle juridique ou quoi que ce soit pour accorder cette protection. Et effectivement, par rapport à Snowden, il est toujours en Russie, d'où il ne peut pas sortir, puisqu'il risquerait d'être attrapé, évidemment, par les États-Unis. Donc lui, il a de la chance, c'est qu'il est en liberté en Russie, dans cette situation étrange, mais il n'est pas en prison, comme c'est un paradoxe. Mais tous les pays ont le droit d'accorder l'asile à qui ils veulent. Après, c'est un problème politique. Et il faut assumer le conflit avec les États-Unis. Je ne doute pas que Emmanuel Macron, qui est très courageux, accordera au nom des valeurs. Ben non, évidemment. Mais c'est une question purement politique. Le Mexique a fait savoir qu'il était disposé à accorder l'asile politique à Assange. Après, ça ne le libère pas pour autant de la procédure en cours. C'est-à-dire qu'il y a un pays là qui a fait savoir je suis prêt à accueillir Julian Assange, mais il est toujours empêtré dans la demande d'extradition. Voilà, donc évidemment, ça a un poids. S'il y avait 10, 20 pays dans le monde qui faisaient savoir qu'il était disposé à accorder l'asile politique à Assange, ça aurait un poids diplomatique, symbolique, etc. Bon, pour l'instant, non, c'est pas le cas. Et donc, en ce qui concerne la France, vous vous souvenez peut-être que Éric Dupond-Moretti a été brièvement l'avocat français de Julian Assange pendant quelques mois. Et il avait demandé à Emmanuel Macron d'être reçu pour lui parler de cette affaire. Il avait demandé à Emmanuel Macron que la famille d'Assange soit également reçue, puisque Julian Assange a une partie de sa famille en France. Et Emmanuel Macron n'a pas donné suite. Et à ma connaissance, il ne s'est jamais prononcé sur l'affaire Assange, pas un mot. Voilà. But you know, they will not do anything unless you put pressure on them. We have to force them to do it, because otherwise they won't do it anything. They will just stick to the United States. They will protect their own crimes. No one wants to have their dirty secrets exposed. So unless you force them, unless you mobilize, unless you protest, unless you force them to do something, they won't do it. Pour que quelque chose soit fait, il faut mettre une pression terrible. Parce que le fait que Wikileaks révèle les sales petits secrets des États ne les rend pas enclins à sauver Assange ou à lui accorder quoi que ce soit. Bonsoir. C'est une question pour Stéphania. Est-ce que pendant toutes les années d'investigation, vous avez perçu des menaces ou des pressions sur votre travail, du coup?
Thank you for this question. I get this question quite often. And people ask me, have you ever experienced threats? Have you ever experienced death threats or problems? Oui. On demande souvent à Stéphania, est-ce que vous avez eu des menaces de mort? Est-ce que vous avez été menacée physiquement? So I never received death threats. No, I experienced no violence, no threats, but I experienced serious problem with my job. I had to resign. I resigned from my newspaper. I had worked for L'Espresso and La Repubblica for 14 years, and in 2020 I resigned and my income collapsed. Oui, donc elle n'a pas subi de violence directe. En revanche, elle a dû démissionner des journaux pour lesquels elle travaillait en Italie. No one forced me to resign from my newspaper. I could have kept my job, but I decided I wanted to do this journalistic work. In order to do it, I had to resign. I had to lose my job. I had to lose my financial security. I had to see my income collapse. And then, of course, I experienced, unfortunately, some intimidations. And I will explain you what kind of intimidations. Oui, donc elle n'était pas obligée de démissionner. Elle aurait pu continuer tranquillement comme ça, mais elle s'est mise en, elle a préféré faire ça et se trouver dans une situation de précarité financière et autres. Et mais une fois, elle a subi une agression plus délicate. So intimidations like being aggressively followed, so that I realized that someone was following me, especially when I was traveling abroad alone, or intimidation like I was physically attacked and stolen very important documents while I was traveling from the airport to Rome to the city of the center of the city, and these documents disappeared. The police did nothing. The judiciary did nothing. As if you are dealing with ghosts. As you are dealing with... You never know what really happened. Oui, elle a été suivie. Et puis, une fois, alors qu'elle partait de l'aéroport pour se rendre à Rome, elle a été agressée, on lui a arraché son sac. Et quand elle s'est plainte à la police, rien n'a été suivi. C'est comme si elle avait été agressée par un fantôme. And when we were in the embassy, we discovered this recently in 2019, we were spied. All our conversation with Julian Assange were spied, were recorded, we were filmed. Someone accessed my mobile phones and secretly opened it in two. They were so stupid that they took pictures, so we have evidence of this. Oui, et elle a aussi été, enfin, comme toutes les personnes qui se retrouvaient à l'ambassade d'Équateur, elle a fini par apprendre qu'elle a été surveillée. Et puis les espions avaient même pris une photo de son propre téléphone qu'ils avaient démonté pour trouver des informations. But let me tell you that even if I experienced these intimidations, these problems with my newspaper, compared to what Julian has gone through, compare how he has been destroyed physically, mentally, my troubles are nothing. He has been destroyed. That's why I'm so intense. I feel the duty to tell people what happened. I feel the duty to expose
how he has been treated, how his life has been destroyed. And even if he will come out of the prison, no one will give him back the best year of his life. Mais tout ce qu'elle a subi, ce n'est absolument rien en comparaison de ce que Julian Assange vit depuis des années. Et on l'a complètement détruit, on l'a brisé. Donc c'est pour ça que Stéphania se sent l'obligation de continuer à dénoncer ce qui se passe et ce que subit Wikileaks depuis des années. Et ce que fait Stéphania est tout à fait est louable, évidemment. Et je pense que les journalistes, tous les journalistes, devraient se sentir concernés au même titre. Parce que ce qu'ils produisent, ce qu'ils diffusent, c'est de l'information, au même titre que ce qu'a fait Julian Assange, c'est de produire des informations. Et que donc, ceux qui côtoient le pouvoir, ceux qui interrogent les hommes politiques dans les matinales, sur France Inter, sur RTL, etc., pourquoi n'interrogent-ils pas les responsables politiques sur ce sujet, sur cette question? Pourquoi ça ne revient pas sur le devant de la scène? Ça, c'est vraiment une responsabilité qu'ont les journalistes dès lors qu'ils sont en contact avec les dirigeants politiques. Ils doivent les interroger sur Assange, sur Wikileaks, parce que c'est le métier de journaliste qui est en cause ici. Je voudrais vous saluer pour votre courage et je voudrais vous demander quelle est l'équipe qui est l'équipe légale qui est autour de Julian Assange aujourd'hui. Est-ce qu'elle est beaucoup plus américaine et comment est-ce qu'ils sont payés en fait? What type of team is around Julian Assange today, and how are the lawyers being paid? So right now the full WikiLeaks team of journalists, lawyers are very very focused in saving his life, and we see that they are not publishing at the moment because they are very focused on saving his life. And I think that's the priority, because if he doesn't win the case, the extradition case, he's gone, he's dead. The moment he's transferred to the United States, he's dead. Pour l'instant, l'équipe se consacre uniquement à la cause de Julian Assange et font tout pour le sauver, parce que s'il est transféré aux États-Unis, ça signe sa mort. Sa fin. J'ajoute simplement que l'équipe est coordonnée par Balthazar Garçon. Et donc le juge qui est lié à l'affaire Pinochet, qui est maintenant avocat, et vous pouvez voir le film Hacking Justice, qui en fait était à l'origine un projet de documentaire sur Balthazar Garçon, et les documentaristes, au moment où il commence le tournage, en fait, Balthazar Garçon prend en charge la défense de Julian Assange, et donc le film est réorienté vers l'affaire Assange. Donc, je vous invite à voir ce film. Par exemple, il est possible de le voir sur la plateforme VOD des Mutins de Pangée, qui s'appelle Ciné Mutin. Et puis, le film a été reprogrammé à l'occasion de la sortie d'Ithaca pour quelques séances également à l'Espace Saint-Michel. Voilà, il y a encore des projections débat ici et là de Hacking Justice, même si Ithaca est plus récent et voilà, à la priorité aujourd'hui. I want to explain you how I was not really surprised, but really impressed by the old people in Italy, in my country. We invented the fascism. We had Mussolini. So I was impressed to realize how the old people who experienced fascism under Mussolini understand this case very easily. They understand how
when journalism, when free information die, fascism come. So they don't need many explanation. Even if they don't understand cryptography, these all complex things, they understand what the case is about. The case is about freedom of information. And there is no democracy without freedom of information. Quand Stefania présente son livre ou parle de l'affaire en Italie, tout de suite, elle est tout de suite comprise par les personnes âgées qui ont compris, qui ont connu le régime mussolinien et la dictature. Et même s'ils ne voient pas toutes les subtilités, ils ne savent pas ce que c'est que crypter un document ou autre, ils comprennent quand on leur parle avec la difficulté de s'attaquer, de dénoncer les crimes d'État, de faire son travail en tant que journaliste. Et ça, c'est significatif. Bonsoir. J'avais une question. Allez-y, oui. Suite à une note de blog de Frédéric Lordon dans le blog du Monde Diplomatique, qui s'appelle Clarification, là, c'est le nom de sa note de blog, il décrit que, de façon beaucoup plus claire de nos jours, on voit beaucoup mieux comment les pouvoirs médiatiques sont vraiment une forme de pouvoir uniquement au service du capital. Et la question donc que je vous pose ici, c'est comment lutter davantage contre cette force médiatique au service du pouvoir qui se rend de plus en plus évidente, et quels alliés le journalisme d'investigation peut-il se trouver en dehors. Mathias, tu as peut-être des choses à dire à ce sujet. Oui, c'est une question que l'on nous pose souvent sur quand on fait des conférences, des débats à Crimed. Que faire finalement face au rouleau compresseur médiatique, face à cette proximité, promiscuité entre le pouvoir médiatique, le pouvoir économique et le pouvoir politique. Déjà, je pense qu'on a fait beaucoup de chemin depuis le début de la critique des médias, les travaux de Pierre Bourdieu dans les années 90, le livre de Serge Halimi, Les Nouveaux Chiens de Garde en 97, le film Les Nouveaux Chiens de Garde, une dizaine d'années plus tard, enfin même un peu plus qu'à 15 ans plus tard, etc. Il y a eu du travail qui a été fait. Les médias se sont emparés, en partie, certains médias, mais se sont emparés de la question de la critique des médias. On voit naître ici et là des sites qui font de la critique des médias, des médias qui font de la critique des médias. Et même dans le champ politique, la question des médias est devenue une question politique, ce qui n'était pas le cas avant. Dans les années 90, au début des années 2000, dès qu'on parlait à la gauche de gauche, pour faire simple, de la question des médias, en leur disant « emparez-vous de cette question au même titre que les questions d'éducation, de retraite, etc. », on disait toujours « non, mais c'est trop compliqué, c'est plus compliqué que ça, la question des médias, et puis il faut savoir s'allier avec eux pour passer dans les médias ». Et puis progressivement, avec le parti de gauche, le Front de Gauche, LFI, le nouveau parti anticapitaliste, la question des médias est rentrée dans le champ politique et c'est devenu un sujet clivant, aborder les médias dans les médias, critiquer les médias dans les médias. Donc pour nous, la première des choses, c'est politiser la question des médias, faire en sorte que ça devienne un sujet de discussion à l'intérieur des médias, mais aussi en dehors des médias. Et c'est pour ça que, notamment, le Sénat a fait une commission là-dessus, sur la question de la concentration des médias. Alors, c'est rentré par Bolloré. Finalement, Bolloré a été un bon serviteur à l'actualisation de ce sujet. Parce qu'il est d'extrême droite, eh bien, et que ces médias sont des médias d'extrême droite, une grande partie des journalistes, une grande partie des politiques se sont dit « Ah ben tiens, c'est vrai que ça pose un problème, la question de la concentration des médias. » Alors que la question de la concentration, elle existe depuis bien longtemps. Hein. Bouygues, en termes de masse d'information, de masse médias, c'était beaucoup plus puissant dans les années 90 que Bolloré aujourd'hui. Mais il n'empêche qu'avec Bolloré,
eh bien, des indignations collectives se sont produites, notamment avec le JDD, la mobilisation des journalistes au sein du JDD, etc. Donc, il faut que les journalistes s'emparent de la question des médias et fassent de la critique des médias. Ça, c'est le deuxième point. Donc, les politiques et les journalistes. Une fois qu'on aura ces deux acteurs qui se mobiliseront massivement sur cette question, les citoyens, ils suivent, ils sont d'accord pour que la question des médias devienne une question prioritaire également. Mais une fois que ces deux acteurs porteront ce sujet vraiment au même titre que la question d'Assange sur le devant de la scène, alors, à mon sens, les choses pourront progressivement changer. Mais c'est un long travail, de longue haleine. Hein. Serge Halimi, encore une fois, dont parlait Anne-Cécile tout à l'heure, a fait les nouveaux chiens de garde en 1997. Le temps a passé, il y a eu des évolutions, mais des petites évolutions. Peut-être qu'il faudra encore attendre quelques dizaines d'années pour que les médias s'extirpent du pouvoir capitaliste. Je voudrais juste ajouter à ce qu'a dit Mathias, qu'il y a beaucoup de formes de résistance dans l'univers médiatique. On avait Denis Robert avec Blast, le succès du Monde Diplo. Ça montre quand même que les citoyens ne sont pas dupes. Le rôle des associations de lecteurs, là, il y a les amis du monde diplomatique qui sont là, ça permet aussi de créer des espaces de résistance et de contre-information. Donc il y a aussi une prise en charge dans la société de plus en plus grande de cette question qui a deux branches. En fait, il y a une décrédibilisation des grands médias et puis des contre-circuits d'information sur Internet, avec des journaux comme Le Monde Diplo, etc. Donc tout ça, ça doit se faire vivre par l'activité et la réaction aussi des citoyens. Oui, je vais commencer par réagir à ce que vous avez dit. C'est que moi, je vais donner un exemple de mon quotidien, parce que je viens de Metz pour cette réunion ce soir, et on fait un rassemblement mensuel à Metz. Et donc, j'ai contacté un journaliste de FR3 à plusieurs reprises, dont le nom m'échappe heureusement pour lui actuellement. Et quand je l'ai eu une troisième fois au téléphone, on était à 50 mètres de leur siège quand on se rassemblait. Il a dit « Nous ne sommes pas de vrais journalistes ». Donc, c'est-à-dire qu'ils sont pris aussi par le souci du quotidien de vivre, de faire vivre leur famille. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et puis, je voudrais aussi rappeler, j'ai assisté à pas mal de conférences, mais là, maintenant, le temps est de dire, on ira au rassemblement le 20 février à Paris, puisque la plupart des personnes sont à Paris. Il faut sortir de chez soi et dire, nous sommes là. Parce que la plupart du temps, nous, on a distribué des tracts. Il y a des gens qui sont contents, mais ça en reste là. Et c'est un peu désespérant pour le petit groupe que nous sommes à Metz. Voilà. Donc oui, j'en profite pour rappeler effectivement, le 20 février, 5 rassemblements pour l'instant en France sont prévus. Paris, Bordeaux, Strasbourg, Metz et Ajaccio. Il y aura d'autres villes probablement qui s'ajouteront. Et donc, ce sera à 18h dans chacune de ces villes. Vous trouverez sans problème les lieux précis sur Internet. Et c'est un rendez-vous à ne pas manquer, parce qu'il y aura d'autres rassemblements dans le monde le 20 ou le 21. Et il faut se rendre visible ces jours-ci, parce que je vous ai dit ce qui se passerait à Londres au même moment. Encore une intervention ? D'accord, bon, on va prendre ces trois-là, puis on devra s'arrêter, parce que je crois qu'on doit rendre la salle prochainement. Oui, bonjour. Je discutais avec vos collègues du Vent se lève, et je leur disais, à chaque fois que je vais dans ce type de réunion, il y a beaucoup de médias, je sais pas, indépendants, on peut dire. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne serait pas possible un jour de se regrouper, de faire un espèce de petit journal style 20 minutes. Je sais que vous n'avez pas les moyens, mais si on mutualise, peut-être qu'on pourrait trouver des choses intéressantes, un peu dans le style de ce que fait Basta. Ils font une petite revue de presse qui s'appelle Les Indépendants. Les Indes, un truc comme ça. Voilà, merci. Et merci à vous. Oui, on va prendre les trois d'un coup.
Bonsoir. Je crois qu'il y a une banderole, c'est dans le hall marqué « Le journalisme n'est pas un crime ». Et je pense qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui un débat public sur le journalisme sans évoquer le sort des journalistes palestiniens. On en est à 118 tués de journalistes ou des professionnels des médias. Donc moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Reporters solidaires. On essaie de se mobiliser pour dénoncer ça. Nous aussi, on est dans la rue, donc je vous invite aussi à venir avec nous. Et on fait face également à des réticences de la part de journalistes à être en solidarité avec les journalistes palestiniens, alors que c'est vraiment aussi, comme pour Assange, une attaque sans précédent, je pense, contre le journalisme. Donc, ma question est-ce que vous pensez que c'est les mêmes mécanismes, en fait, qui rentrent en cause? Puis je constate aussi, c'est un peu les mêmes médias qui prennent position, l'Humanité, Acrimed, le monde diplomatique, des positions très claires, mais pas les autres. Donc je me demande, est-ce que voilà, ce sont les mêmes mécanismes qui sont en place? Merci. Rapidement, bonjour. La dame disait de venir le 20 février pour en soutien à Assange sur le terrain. Donc je voulais simplement signifier aux gens que depuis 8 ans, l'association, enfin le collectif Vigimédia, bientôt association, fait des manifs devant les grands médias tous les premiers samedis du mois. Nous faisons le siège des médias. Alors nous ne sommes pas nombreux, mais la présence physique sur le terrain permet de faire, alors si elle est suffisamment nombreuse, de faire pression. Voilà. C'est juste pour répondre à la question politique des journalistes. Voilà. Oui, alors, d'abord pour répondre à la première question, ça aussi, c'est vrai que c'est une question qui revient. C'est tous ces médias alternatifs ou militants qui n'ont pas de publicité, qui sont indépendants du pouvoir économiques, qui n'appartiennent pas à un grand groupe, etc., s'ils s'unissaient, finalement, est-ce qu'on ne serait pas puissant? On ne serait pas plus puissant? On serait peut-être un peu plus puissant, mais le JT de TF1, c'est 6 millions de téléspectateurs. Celui de France 2, c'est 4 à 5 millions de téléspectateurs. En termes d'audience, ce qu'il faut se dire, c'est que dans ces médias alternatifs, militants, déjà, on retrouve plusieurs fois les mêmes personnes. On est abonné de plusieurs de ces médias, on est consommateur, je mets des guillemets à consommateur, de plusieurs de ces médias. Donc on aurait du mal à être très nombreux. Et puis il faut dire que les médias alternatifs, en réalité, ce ne sont pas des alternatives aux médias dominants. Le vrai problème, c'est le fonctionnement des médias dominants tels qu'ils sont aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut changer. Il faut mettre en place des lois, mettre en place des textes qui interdisent à des grands groupes industriels qui vivent de commandes publiques de posséder des médias. C'est une aberration d'imaginer que quelqu'un qui vend des armes possède des médias, qui fabrique des ponts possède des médias. C'est une aberration et ça, c'est quelque chose qu'il faut remettre en cause, remettre en question. C'est pour ça que là, pour répondre à la question tout à l'heure à laquelle on avait déjà répondu, c'est une question éminemment politique, c'est un choix d'orientation politique. Si on accepte ça, eh bien, on accepte qu'il y ait des inégalités dans les salaires, on accepte que telle ou telle réforme... Il faut se mobiliser collectivement. Comme l'a dit le dernier intervenant, il faut se mobiliser face aux médias dominants. Il faut se mobiliser face à l'Assemblée nationale, face aux décideurs politiques. Ça, c'est, à mon avis, la principale lutte à mener. C'est bien de se réunir, de faire des rassemblements, mais il faut aller un cran plus loin, à mon sens. J'ajouterais que dans le monde diplomatique, Pierre Rimbert a proposé un projet pour une presse libre dans lequel il suggère des mécanismes de mutualisation de certains coûts pour que les médias indépendants puissent vivre sans subir cette pression économique de la concurrence qui fait qu'on a tous une imprimerie, tous un service commercial, tout ça. Donc il y a toutes sortes de réflexions qui sont faites sur un modèle alternatif, entre guillemets, d'économie de la presse.
donc qu'on peut mettre en œuvre et qu'on peut travailler. L'autre chose, il faut insister sur le fait que c'est vraiment une bataille culturelle. La liberté de la presse, c'est un problème de la presse, mais c'est un problème social et civique, comme on vient tous de le constater encore ce soir. Mais il faut vraiment mener cette bataille, parce que moi, j'entends par exemple encore trop souvent des citoyens éclairés penser qu'il y a de l'information gratuite sur Internet. Alors qu'en fait, ça n'existe pas. Si, c'est soit que ce n'est pas une information, soit que ce que vous avez trouvé sur Internet a été payé par quelqu'un. Donc il y a une bataille culturelle à mener contre ces mythes. Il n'y a pas d'information gratuite. Soit ce n'est pas de l'information, soit il y a quelqu'un qui a payé pour cette information, et donc c'est du vol. Donc il faut culturellement que les citoyens prennent conscience que l'information a une valeur. Donc acheter un journal indépendant, s'abonner à un journal, c'est un acte de résistance, c'est un acte civique. Mais ces idées-là, elles ont vraiment la vie dure. Il y a beaucoup de gens qui croient vraiment qu'il y a de l'information gratuite. Non, ça a forcément un coût et une valeur, et donc il faut se battre pour que cette valeur soit respectée, et donc faire le geste civique d'aller au kiosque, de s'abonner, etc. Et il y a plein de possibilités comme ça qui s'offrent à nous. Yes, this is especially true about this case, because I think it is a scandal that no big media was willing to fight to get the documentation about the case. This man was, confined in an embassy for 5 years, 6 years, and no one tried to get the documentation and try to understand what's going on here. Why is in this condition? And to get these documents, I had to pay myself. I had to pay for the legal fees because no one was willing to pay. And fortunately, people realize when I ask for help, they help with crowdfunding. They did it because they realized the value of this journalistic work. Pour faire son enquête, Stéphania a dû intenter des procès, travailler pour enquêter, et elle a dû créer un crowdfunding pour pouvoir avancer, parce que ce sont des démarches qui coûtent énormément. C'est l'information et de fait quelque chose qui prend du temps et de l'argent. Just to give you an example how the authorities tried to stop a journalist working. In order to stop my request for documents in the United States, they made the process so lengthy that the legal fees reached $120,000. So I was telling that the US authorities, in order to stop my work, they made the legal process so complex that the legal fees reached $120,000. No journalist, no newspaper can sustain such legal fees, of course. Pardon. Oui, quand Stéphanie a attaqué la justice américaine, le gouvernement des États-Unis, les procédures de justice ont été tellement compliquées, tellement complexifiées, tellement rendues infaisables qu'elle a dû payer $126,000 de frais de justice, ce que un simple citoyen ne peut pas assumer, c'est clair. Bien, merci beaucoup. On peut s'arrêter là. Je vous invite à lire le livre de Stéphania Morizzi pour approfondir tout ça. Un livre extrêmement rigoureux, dense, en fait, qui restitue à la fois l'histoire de Wikileaks et l'aventure journalistique que représente Wikileaks, et également toute la mise en place de la persécution ciblant Julian Assange. Je remercie les intervenants, Anne-Cécile Robert, Mathias Raymond, Denis Robert et Stéphania Morizzi.
Merci à Laure Mistral pour la traduction. Rendez-vous le 20 février à 18h, place de la République. Et puis, voilà, il y a le stand du comité de soutien à Assange. Laissez votre adresse pour être informé des événements à venir, les projections débats, les conférences, etc. Merci beaucoup d'être venu et à très bientôt.